Je ne comprends pas, c'est un peu moche. Faudrait avoir quelque chose d'un peu mieux. Ah bah il y avait plein. Ouh là, qu'est-ce que c'est que tous ces drops? Est-ce que c'est du drop un peu nul? Est-ce que c'est du drop nul? Oh, cambriolage. Ah, journal du cultiste. Alors, la... Ah, les mots de pouvoir. Grande gloire à des anciens lors de son retour. Aujourd'hui, j'ai eu affaire à un traître dans nos rangs. Jareka marchait à mes côtés tandis que j'entretenais d'une possible nouvelle incursion dans ce maudit donjon. Elle se comportait de façon fort étrange, calme et introvertie. Soudain, elle me demanda si je pensais à ce que nous faisions, ce que nous faisions était bien. Je lui demandais ce qu'elle voulait dire. Et elle répondit de façon hésitante qu'elle se demande si elle avait raison de venir servir les anciens. Le bois frileux a connu le sang aujourd'hui. Je l'ai mise nue et l'ai attachée à deux arbres. Je la fouettais moi-même jusqu'à ce que la chair pende de son dos en grands lambeaux. Elle me supplia de lui pardonner ses doutes. J'allais lui laisser la vie sauve, mais on appela à Imnater pour trouver le salut. Tandis qu'elle marmonnait sa prière, je lui arracha le cœur et le brûlai en sacrifice aux anciens. La joie! Et donc les enfants, sachez que si un jour vous Ça dites qui est trop lourd, j'ai du mal à le mais est-ce porter. que ce que je fais, eh ben c'est le bien? Eh ben vous avez une possible chance de vous faire fouetter calmement par une personne qui vous dira: tu ne peux pas douter, nous sommes les gentils, nous ne pouvons être les méchants méchants. Voilà. Ça pèse combien cette merde? Ça pèse 5. Ah. Donc ne doutez jamais, sinon vous allez bah, souffrir dans un premier temps. Et ensuite la mort. Bon, alors je pense pouvoir dire que ces cultistes ne sont pas gentils. Et donc qu'il faut quelqu'un ou quelque chose pour qu'ils se remettent en question. Et ah là là là, je passe. Quoi? Un chat garou? Oh la vache, mais il y en a combien? Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Un chagarou. Pourquoi pas? Je ne comprends pas. Ici, nous avons deux cadavres. Ah, bel arbre. Ça, c'est un bel. Ils sont là-bas. Taillot! Taillot, taillot! Gros combat. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce rite, ce glyphe rituelique de type cultiste? Dis donc, monsieur, ça a l'air très cultiste ce que vous faites. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Ça n'a pas l'air très religieux ce que vous faites. En êtes-vous conscient, monsieur? Ça n'a pas l'air très religieux. Je crois me voir dans l'obligation de détruire ceci. Alors. Pascal est magicien.
Non, l'autre sens, demi-tour, demi-tour. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben. D'alors, est-ce que tu es prêt à aller passer le portail magique? Waouh. C'était austère. Alors, une porte dans les quatre directions conventionnelles. Il y a trois portes en bois et une en caillou. En pierre. Essayons celle-ci. Ah, c'est bien ce que je pensais. Alors voyons, le sud, l'est ou l'ouest, je dirais. Oh, un coffre. Oui, parce qu'un coffre, c'est vachement mieux que d'ouvrir des portes. Voilà. Des billes de démolition. Si je peux pas les revendre, ça, comparé aux billes de fronde, je vais pas être content. Oh, notre coffre. Non, je l'avais pas vu. Le coffre à moi. Goûtez à ma colère! La rage du tigre rouge se déchaîne!
Alors, comme un gros con, encore une fois, j'avais oublié de démute. Voilà, donc c'est normal si vous ne m'avez pas entendu parler pendant un petit moment. Voilà, je ne suis pas aidé, je vous le dis. Je m'insupporte. C'est pas ce que je voulais faire, c'était pas la bonne touche. Mais ces élémentaires d'air m'indiquent sans doute que je me rapproche de la sainte invocation de l'air. Ah là là, je pense que c'est un indice. Ah mais qu'est-ce que ça fait quand ça meurt? Ça explose? Ça explose. Ils explosent complètement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est bien, ils ont des petites potions. Puis c'est pas de la merde les potions comme ça. Donc ça, d'accord. Ah, et là, il y a une porte. Très bien. Donc, là, je vais ouvrir la porte qui se trouve ici. De manière à me repérer. Voilà, puis en plus elle n'était même pas verrouillée. Cette porte n'était pas verrouillée, c'est incroyable. Boire une potion. Soin, de soins modérés. Voilà, on va aller en haut. Et on va ouvrir la porte. Prenez garde à ma colère! Bibliothèque. Ok. Prenez garde à ma colère! Ouah, mais arrêtez! Incroyable ça! Ça, ça m'attaque! Oula, 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 oula! Ça m'en fout. Oh, une page de journal intime. Cette vieille page froissée semble avoir été arrachée au journal intime. La sorcière de montagne n'est plus. J'ai vaincu Nébacha dans un duel de convocation. J'ai commencé par appeler un chat sauvage, ouverture classique. Elle a riposté par un gros chien de chasse, ce qui était parfaitement prévisible. J'ai marqué un point en convoquant sans attendre un grand ours pour dévorer son chien. Nébacha ne s'attendait pas à ce que je brûle les étapes aussi rapidement. Surprise, elle a appelé un grand dragon rouge, classique en cas de panique. Comme de bien entendu le grand reptile, enragé, l'a croqué d'un seul coup. Peut-être devrais-je fêter cette victoire en composant un chant qui regrouperait tous les participants du duel. Le chat, le chien, l'ours et le dragon. Je prends. La nature de l'invocation des eaux. Oh ! Cyril, oh ! Comme je le pensais. On trouve dans ces salles souterraines plusieurs puits naturels qu'il serait aisé de convertir en bassin d'invocation. Une fois la construction de mon laboratoire achevé, l'invocation d'alimentaires puissants pour me servir devrait être assez simple. Si j'ajoute une langue de slade dans le bassin et que je lance la flèche d'acide de Melf. Comment qu'on invoque un truc? Prenez une langue de slade que je n'ai pas, prenez une flèche, un sort de flèche d'acide que j'ai peut-être sans doute. Et ça fait des chocs à pic. Un être élémentaire assez puissant. Est-ce que j'ai une langue de slap? Non. Est-ce que j'ai un sort flèche d'acide? Sans doute, mais je ne le sais pas. Une serre. Ça sert à rien. Ça sert tellement à rien. Ah, il y a une porte. Une porte qui va nous amener à la salle de questions du feu. Oh, c'est encore un système d'étage débile. Pour les hauts gardes.
Que le sol vous engloutisse. La rage du tigre rouge se déchaîne. Mine. Peut-être y en avoir plusieurs d'ailleurs dans celle-là. Vas-y, vas-y, continue d'un, continue d'un, continue d'un. Parfait, le dernier. Impeccable. Et boum. Impeccable. C'est incroyable ce qui se passe. Tout se goupille et il prend une potion. C'est un GG. Ouais, pour le moment, tout va bien. Écoutez, il reste plus que ça. Et puis après, je vais refaire un tour en ouvrant les portes. Mourez, vous le méritez. Je crois que j'ai oublié d'ouvrir cette porte-là. Bah, attaque! Okay, c'est pourquoi il a pas attaqué ce personnage? Ah, voilà, toi. Ah là, c'est une bourre de potion, une bourre de potion. J'ai le temps de prendre, de choper un drop d'ennemi, écoutez, je me permets. Voilà. Repos. Repos, c'est important. Et ça, c'est une bibliothèque ou une salle? C'était une bibliothèque. Une bibliothèque avec deux portes. Intéressant. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre. Deux coffres, même. Et trois coffres. Oh, et une étagère. Et une porte aussi qui a l'air intéressante. Là, ça, je prends. Ça, je me prends un piège. Même pas. Même pas un petit piège. Cette étagère, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, ah, de nature d'invocation des eaux. Je n'ai pas de langue de slat et je n'ai pas de flèche acide. Bon, je vais au moins ouvrir cette porte et puis là, celle-là, on va y aller tout de suite. Non, mais sois pas bête. Ne sois pas bête, personnage. Oh. Alors. Désamorce le piège, d'abord.